aussi de l'association des paralysés de France. Oui. Et donc on a une adhérente qui serait intéressée pour faire le circuit découvert de la nature. D'accord. Donc c'est une personne qui est en fauteuil ou qui est valide? C'est une personne en fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Oui. Donc on va, avec mon collègue, on va la mettre en fait dans une pick-up, on va la transférer dans une place de son fauteuil. D'accord. Et après vous pourrez aller directement en fait au premier arbre où il y a une expo photo et après une séance d'atelier s'enchaîne derrière. D'accord. Vous faites la petite balade avec. Ok, bon bah ça va. Mi gato se está quejando, que no puede guarachar. Alors les objectifs c'est d'accueillir un maximum de personnes à mobilité réduite pour participer et découvrir les activités nordiques. D'accord. Et elle s'intègre au niveau du comité du plan d'action en fait sur la découverte de ces activités nordiques en parallèle des activités ski de piste que l'on fait à côté. Quoi. C'est vraiment découverte de ces activités nordiques, à savoir la luge de fond, luge nordique, activité qui peut être autonome ou avec une assistance, et la poulka, donc où là on part vraiment en balade. La personne est installée dans la poulka et elle est tractée par une personne en raquette ou en ski. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa que es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón. Dans la cage rouge. C'est bien, Johan. Allez, on se presse pas, on prend son temps et on lève le chaud. Alice, c'est très bien. Voilà. Allez, juste vous, Alice. Soit ils peuvent venir en raquette, soit à pied.
Et donc ils vont un peu découvrir, il y a un atelier sur une expo photo par rapport au monde des trappeurs et à la nature, un atelier sur les sons des animaux, un autre atelier sur un peu la nourriture qu'ils peuvent trouver l'hiver, un atelier sur les jeux d'adresse. Il y a une petite visite de ferme aussi, une petite ferme qui a été recréée, avec des lamas, des chèvres, des lapins, et on finit par la visite du trappeur, avec la dégustation d'un chocolat. Voilà. Et qui peut faire cet atelier ? Alors, c'est ouvert à tous, les enfants, les adultes. C'est surtout axé sur les personnes qui souffrent d'un handicap mental. Ça reste très simple, mais voilà, après c'est ouvert pour tout le monde. Hein. Alors voilà, est-ce que vous croyez qu'on peut se porter ça à 4 ou 5 Non. D'accord, on est bien d'accord, on peut pas le porter. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Couper. Il va falloir qu'on coupe. Alors moi je compte sur vous. Vous voyez, on a commencé à nettoyer les branches. D'accord. Chacun va porter une branche dans le feu. Ça va me permettre moi de me chauffer en tant que trappeur. Ok, de faire la soupe ce soir. En tant que petit à rigoler. Ça te fait rire que je fasse la soupe le soir, toi? Et en plus, ça va permettre de dégager la forêt. Parce que ça après, on va s'en servir pour faire la poudre centrale du chalet. D'accord? Ok? Voilà, on y va. Nous, l'intérêt de ces journées, en fait, c'est de faire découvrir au plus grand nombre, donc en tout type de handicap, voire même des enfants de valides, de centres de loisirs, qui peuvent pratiquer une activité dans la neige, donc que ce soit vraiment orienté ski de fond avec des ateliers spécifiques ski ou de la découverte de la nature avec le petit circuit sur la découverte de la nature où on a cette année une présence animale avec une mini ferme pédagogique, un trappeur qui nous offre un chocolat. On essaye de mettre tout un environnement autour de la journée pour que les résidents et les participants soient complètement immergés dans l'environnement naturel. Voilà, vous êtes parti sur combien de kilomètres? Une quinzaine. D'accord, bon ben... Dans un quart d'heure on est là. Hein. D'accord, bon je vais rester là. Hein. Ok, ça va. Ciao. A tout à l'heure. Ciao. Attention aux loups. J'ai du temps, je suis à la retraite, donc... Et moi je découvre un peu cet univers qu'on croise, ouais. Mais si on n'est pas confronté, voilà. Je participe volontiers. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une journée comme ça ? L'organisation, ça laisse... moi je suis admiratif. Donc moi si je peux, à mes petits moyens, participer à cette journée... Voilà. Mais c'est bien, ça rend service. Je pourrais presque remercier les organisateurs de me... Je pense que ça a été dit, neige pour tous, bien entendu, c'est la convivialité, c'est la solidarité entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap, c'est la possibilité pour chaque personne handicapée de développer ses capacités dans un milieu qu'ils ne connaissent pas obligatoirement. Et puis par ailleurs, c'est l'ouverture des sites nordiques et puis donc à
à tous les publics. Bon, c'est ça, Neige pour tous. Mais nous, comité départemental du sport adapté, c'est l'occasion, avec ce rassemblement, de mobiliser et de sensibiliser sur les bienfaits de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap mental pour le sport adapté, et rappeler que le sport est le remède le meilleur par rapport à tous les problèmes de santé, aussi bien pour les personnes valides, mais encore plus pour les personnes handicapées. Que no entiende todavía que ya le explica ahorita que el problema es relativo. Las damas son las bonitas, los hombres tienen que ser vivos. Hay que tener bien claro lo que en la vida quieres hacer. Echa para adelante, no te detengas. Y el que no entiende es problema del camino.